Étudiant, étudiante, première année universitaire, je continue à vous proposer des intégrales un peu plus compliquées et les méthodes à utiliser pour les résoudre. Donc, je vais mettre primitive. Intégrale. Mais la partie par 6. Je vais mettre i l'intégrale de ln de x au carré sur x mais dx. Je vais mettre u de x égale ln de x. Donc, du sur de x égale 1 sur x. Autrement dit, dx sur x égale du. Je vais changer donc, je vais procéder au changement. Je vais mettre un ici. Ce sera dx sur dx et du. Ce sera u au carré du. Et ça, je peux connaître, je peux avoir la primitive de u au carré. U carré, c'est la primitive u 2 plus 1 sur 2 plus 1, hein, plus c, c'est-à-dire e à la puissance 3 sur 3 plus c égale u3u, c'est ln de x. Donc ln de x à la puissance 3 sur 3 plus c. Voilà i1. La deuxième, I2. I2. Arc. L'intégrale de arc sinus x dx sur je vais mettre u de x égale arc sinus x. Du sur du x égale 1 sur racine carrée de 1 moins x2. Donc, ça va me donner du égale dx sur 1 moins x2. Je vais remplacer. Donc I2, elle va s'écrire autrement. U2.
Et la permittive de U, c'est U au carré sur 2, mais sans oublier C. U2 sur 2, sans la constante, c'est une primitive de U. Mais U2 plus 2 plus C, c'est plusieurs primitives. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? U, je le remplace par axinus, ce qui fait arc sinus X au carré sur 2 plus C. Donc, vous voyez que la troisième I3, c'est exponent CX moins 1 dx, mais l'intégrale. Je vais mettre U de x, le changement de valeur E de x moins 1. Ça va me donner du sur dx égale E de x. Donc E de x par dx, je vais le remplacer. Donc I3, c'est racine de U de U. Mais je sais calculer la primitive de racine de U. C'est U 1 demi de U, ou bien U 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1 plus C. C'est-à-dire I3, en remplaçant U par sa valeur, j'aurai un demi plus de deux demi, c'est trois demi, donc deux tiers de exponentielle de x plus c. Voilà, je continue. Voilà. Je mettrai intégrale, intégration par partie, la part 3. G1 l'intégrale de x2 plus 1 ici, je vais mettre U prime et ici c'est V. U prime c'est exponentielle de x, U c'est exponentielle de x, U prime c'est la dérivée de U, U c'est donc une primitive. V égale x2 plus 1,
V prime c'est 2x. Alors je vais appliquer la formule U prime V égale U V moins V prime U. En l'appliquant, j'aurai donc J1 égale X2 plus 1 exponentielle de X moins V prime U exponent dx dx. Autrement dit, c'est x2 plus 1 exponentielle de x moins 2 intégrale de x exponentielle de x. Cette intégrale, je peux la calculer aussi. C'est x2 donc plus 1 exponentielle de x moins 2. Ça, c'est U prime V, hein? UV, c'est V, c'est X, moins l'intégrale U prime V. V prime U, V prime, c'est 1 U égale x2 plus 1 plus c. Je peux mettre expansion de x en facteur. J'aurai donc x2 plus 1 moins 2x plus 2 plus c. Ça veut dire g de 1 est égal à exponence de x. x2 moins 2x plus 3. Je prends une autre intégrale J2 égale arc tangente x dx. Je vais prendre U égale 1. U prime égale 1, U égale x. V égale arc tangente x. V prime égale 1 sur 1 plus x2. Je vais écrire donc J2 égale UV X arc tangente X moins X moins l'intégrale de l'intégrale de V prime U. U, c'est X et V, c'est ça. U, V prime. V prime, c'est ça. Bon. J2, ça s'écrit. Donc, X arc
tangente de x moins 1 demi de quoi? De du sur u. C'est-à-dire x arc tangente de x moins logarithme népérien 1 demi népérien de u. U c'est quoi? C'est 1 plus x2 plus c. Terminé. Intégration. Par partie. Par 3. Suite. Alors. Ici, j'ai 3. Voilà. Je vais prendre u prime de x égale exponentielle de x. U égale exponentielle de x. V égale sinus x. V prime égale cosinus x. J'ai 3 exponentielle x. Sinus x dx est égal à uv, uv, pendant 2x sinus x, moins ici c'est u prime et ici c'est v. Uv prime, uv prime. On va calculer k, k exponentielle x cosinus x dx. Hein? Je vais mettre u prime égale exponentielle de x, u égale exponentielle de x, v égale cosinus x et v prime égale moins sinus x. K est égal donc à exponentielle x cosinus x moins sinus x exponentielle dx. Autrement dit, ex cosinus x plus
plus l'intégrale de une sinus x dx. C'est-à-dire, c'est exponentielle de x cosinus x plus j3. Je vais prendre en considération le j3 initialement. Le j3 est égal à exponentielle x sinus x moins k. Moins k, je dis moins k. Moins k. Moins. Plus. J3. Égal. Exponentielle x sinus x. Moins exponentielle cosinus x. Moins J3. Ça me donne 2J3 égale exponentielle de sinus moins exponentielle cosinus x J3 égale exponentielle x sinus x moins Donc, vous voyez, J3 est égal à quoi? Primitive. Et intégrale par sus suite. Je vais prendre JK. K1 égale x dx sur x2 moins x moins 2. Alors, je vais avant tout transformer x2 moins x moins 2. Je vais considérer que x2 moins x, c'est le début d'une relation d'une identité remarquable.
je peux l'écrire autrement, x2 moins 2a x plus a2 moins a2 moins 2. Ça va me tenir 2a égale 1. Donc a égale 1 demi. Donc x2 moins x moins 2 est égal à x moins 1 demi au carré moins 1 quart moins 2. Ici donc, moins 1 moins 8, c'est moins 9. Donc x moins 1 demi au carré moins 9 quart. Autrement dit, x moins 1 demi au carré moins 3 demi mais au carré. Je vais écrire un changement de variable u de x égale x2 moins 2. Du est égal 2x moins 1 dx. Du est égal à 2x dx moins dx. Donc x dx est égal à 2u sur 2 plus dx sur 2. Je vais remplacer. Je vais remplacer. J'ai donc k1 est égal à l'intégrale de 2u sur 2 plus dx sur 2 facteur de 1 sur u. Je vais avoir donc 1 demi de 2u sur u plus 1 demi de dx sur x2 moins 2. Autrement dit, 1 demi de logarithme népérien de u plus 1 demi de dx x moins 1 demi au carré moins 3 demi au carré. U dans ce cas-là, je remplace u par sa valeur, ça fait 1 demi de log népérien de x2 moins x moins 2 en valeur absolue plus 1 demi de dx x moins 1 demi au carré moins 3 demi au carré. Je vais faire opérer un changement de variable. Je dis que t égale x moins 1 demi. Et a égale 3 demi. Donc l'intégrale dx sur x moins 1 demi moins 3 demi au carré est égal à dt t au carré moins a au carré. Et ça, je peux le calculer, c'est égal à
1 sur 2a de logarithme népérien de t plus a sur t moins a. Je vais voir le cours. Quand ce sera donc 1 demi de log népérien de x2 moins x moins 2 plus 1 demi 2 1 sur 2a 1 sur 2 3 demi deux fois 3 demi log népérien de x moins 1 demi plus 3 demi sur x moins 1 demi moins 3 demi. Ça va faire K, hein? 1 demi de log népérien de x2 moins x moins 2 plus 2 1 sixième 2 log népérien 2 x moins 1 sur x moins 2 plus c. Voilà le résultat final. Ici aussi, je vais écrire l'intégrale primitive et intégrale primitive par une suite. Nous avons 4a. X2 plus 5x moins 8, c'est x moins 2, facteur de x au carré plus 2. Dx. Ça, je peux l'écrire autrement. Je peux écrire ça autrement. Voilà. X au carré plus 2 plus 5x moins 10 sur x 2 facteur de x moins 2. Dx. J'essaie de simplifier les choses. Donc, mon but, c'est d'aboutir à une simplification. Je vais donc écrire x2 plus 2 sur x au carré plus 2 x moins 2 dx plus cinq x moins deux x au carré
plus 2, x moins 2 dx. Comme vous pouvez le voir, je simplifie. Ici, je simplifie. Voilà. J'aurai donc K3. C'est dx sur x moins 2 plus 5 l'intégrale de dx sur x2 plus 2. Ici, la première intégrale, donc la valeur, c'est L1 de x moins 2, mais en valeur absolue. Et ici, c'est plus 5 facteur de 1, racine de 2, arc tangente, x sur racine de 2 plus c. Voilà K3. Donc, j'ai terminé. Hein? Pourquoi? Parce que l'intégrale de dx sur x2 plus a est égale à 1 à 2 est égale à 1 sur a arc tangente x sur a. Ça, c'est le cours. J'ai terminé. J'espère vous avoir satisfait. Je vous recommande de refaire les calculs vous-même sans visionner la vidéo. Si vous trouvez des difficultés, il faut voir la solution. Je vous remercie de votre attention.